Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de ce vendredi 18 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien et on se retrouve pour le dernier jour de la semaine, en tous les cas pour moi. Et nous continuons avec les messages de guérison hein, pour chaque aspect de notre vie. Pour terminer la semaine, j'ai choisi l'amour. Que pouvons-nous dire de l'amour? Ah, l'amour déplace des montagnes, n'est-ce pas? L'amour, il est le pouvoir et l'essence même du tout qui est tout, le vent léger de l'univers. Ce qui fait vibrer la corde sensible, le son que rend un violon dans un crescendo retentissant. Il déplace des montagnes et ébranle les arbres. Et pourtant, son immense et puissant pouvoir est tellement inconnu et craint. Eh bien, pour expliquer le cœur de l'amour, nous devons vous mettre au calme un moment. En cet instant, nous sentons monter votre excitation et vous demandons de vous asseoir calmement, tandis que nous apaisons vos ardents désirs d'un doux répit. Là encore un instant, et oui, dans le calme, le doux moment de la reconnaissance arrive. Vous nous voyez dans un environnement merveilleux, illuminé d'une lumière venant de l'intérieur. Nous vous assurerons que cette illumination provient de la bougie, de l'amour, qui est en nous. Car nous savons que l'amour a un pouvoir et une orientation unique qui ne peut apporter que l'élévation dans sa quête pour se diffuser à l'intérieur. Il grandit à mesure qu'il est donné, néanmoins, c'est à vrai dire pourquoi tant d'entre vous le voient comme effrayant. Cependant, qu'est-ce qui éloigne du plus grand de tous les pouvoirs singuliers? Il n'y a rien sur cette planète ou ailleurs pour éteindre la flamme de son existence, n'est-ce pas? Lorsque par erreur, vous prenez ceux qui viennent à vous comme ceux qui risquent de vous enlever quelque chose, vous confondez les deux à cause de l'amour. Car ils sont attirés vers vous en quête de compassion pour eux-mêmes et les autres. Ils cherchent à étouffer leur sentiment de culpabilité et à étancher leur soif à la fontaine de l'amour du Créateur qu'ils voient en vous. Cependant, parce qu'ils se rapprochent, vous êtes tentés par vos propres souvenirs de ces temps où vous vous teniez à l'écart, animés d'un ardent désir et assistiez assoiffés au spectacle des autres buvant à la fontaine de l'amour. Ayez pitié de vous-même, doux êtres. Au moment où vous êtes témoin de ce comportement étrange, né de la confusion et d'une grande envie d'amour. Car il est vrai que vous trouverez votre grande envie apaisée chez un autre, et pourtant,
Et pourtant, l'apaisement n'éteint pas la flamme. Bien au contraire. Car dans la mesure où vous donnez au nom de l'amour à un autre, eh bien, vous voyez cette disposition s'accentuer de plus en plus en vous. Le feu brûle plus fort et plus haut à chaque étincelle que vous lancez. Il n'existe pas de pouvoir capable d'éteindre la flamme éternelle brûlant en chacun de vous. La marque de l'amitié qui porte votre cœur ne fait qu'allumer d'autres flammes pour qu'elles brûlent toujours davantage. Peut-être craignez-vous de perdre le contrôle de ces flammes qui brûlent dans votre poitrine. Oui, nous partageons avec vous l'intensité de l'amour et savons que parfois cela semble indiscernable de la perte de contrôle sur les émotions de votre cœur. Néanmoins, dans le calme, cette passion que vous éprouvez pour le Créateur et tous les autres est l'essence même du véritable contrôle sur cette terre. Car son pouvoir est d'une capacité infinie et attire vers vous d'autres qui veulent se nourrir de sa beauté. Leur présence peut vous amener à vous demander s'ils jettent du sable sur votre flamme. Toutefois, cette présence est digne de respect et de célébration, car elle révèle le pouvoir sacré qu'a la flamme d'expurger de l'atmosphère tout ce qui pourrait conduire à l'obscurité. Votre pouvoir dépasse parfois votre sagesse, n'est-ce pas? C'est vrai. Et vous pouvez repousser les autres en diminuant l'intensité de votre flamme. Pourtant, en aucune manière, il n'est possible à vous ou un autre de l'éteindre totalement. Le fait qu'il cherche à boire à votre puits confère une crédibilité à la loi qui existe en tout lieu dans l'univers. Ce que vous cherchez, vous le trouvez toujours, et ce que vous donnez est toujours renouvelé. Aussi ne réduisez pas votre flamme pour pouvoir vivre plus paisiblement, cher être, car vous avez été placé sur cette terre, afin d'être un exemple éclatant pour ceux qui vous aimeront. Le contrôle sur vos semblables est à votre portée, mais chercheriez-vous à contrôler ce qui engendre la joie et anéantit toute pauvreté? Choisiriez-vous de réduire au silence la magnifique musique du ciel qui exalte votre âme? Ne craignez pas que le formidable feu qui brûle en vous cesse d'exister ou que ces flammes vous consument dans un ultime spectacle de douce folie. Il n'existe rien de valeur que vous puissiez perdre. Votre flamme est éternelle, n'est-ce pas? Et vous êtes ici pour la montrer à tous ceux qui la verraient. Elle les anime au-delà de tout raisonnement et indique la sainte alliance pour que les autres la voient. Alors,
comme une flamme que vous feriez passer de flambeau en flambeau. Soyez dans l'allégresse d'embraser le cœur de votre frère. Voyez le fer passer votre feu de son flambeau à un autre, et à mesure que croise sa force et son endurance, soyez heureux. Soyez heureux de ne pas avoir craint de le toucher ainsi, car c'est cela. L'amour, d'un bout à l'autre. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et un lumineux week-end. Et on se retrouve pour des prochaines capsules. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.